Jets de pierres et projectiles enflammés dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. Nouvelle nuit de tension à Jérusalem. Des centaines de Palestiniens arrêtés sur le mont du Temple après des affrontements avec la police. Bilan, une centaine de blessés du côté palestinien, mais aussi du côté des services de police israéliens. Au total, 300 personnes ont été arrêtées. Tôt ce matin, des centaines de Palestiniens sont arrivés au mont du Temple, certains masqués. Des drapeaux du Hamas et de l'autorité palestinienne dans la foule, des pierres auraient été jetées sur le mur des Lamentations. Ce matin, Naftali Bennett, accompagné du ministre de la Sécurité intérieure, s'est entretenu avec des combattants de la police des frontières. Nous travaillons pour ramener le calme sur le mont du Temple et dans tout Israël. En même temps, nous sommes préparés à tous les scénarios. Le groupe terroriste Hamas a réagi. Israël supportera les conséquences de ces agressions brutales. Notre peuple à Jérusalem n'est pas seul dans la bataille pour Al-Aqsa. Le peuple palestinien tout entier, sa noble résistance et sa puissance vitale sont avec eux. Ce vendredi est le deuxième du mois sacré musulman du Ramadan, la première nuit de la semaine de Pâques dans le judaïsme et le vendredi saint où les chrétiens commémorent la crucifixion de Jésus-Christ.